Dans la Creuse, l'école des métiers du bâtiment de Felletin rassemble plus de 2000 élèves. Une division spéciale forme, dans des ateliers modernes, de futurs ouvriers chaudronniers et charpentiers en fer. Parmi les exercices, une part importante est réservée à la construction tubulaire. L'exécution d'une charpente en tube d'acier, destinée au bâtiment des sports, a été confiée aux élèves. Les assemblages obliques ont exigé des découpages biais et des soudures en position. Cette charpente comporte une nef centrale et deux ailes. Une poutre de faîtage en forme de croix constitue l'armature principale de l'ouvrage. Des nœuds importants avec tubulure à bride reçoivent les attaches des fermes qui supportent la poutre faîtière. Les demi-fermes intermédiaires formant des arcs à deux articulations prennent appui sur cette poutre. L'articulation au sol est à double portée. Les élèves ont pu également se familiariser avec les liaisons entre le tube d'acier et d'autres matériaux. On ne pouvait trouver meilleur entraînement à la construction tubulaire que l'exécution de ce bâtiment.